L'Union européenne soutient une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable dans le dossier du Sahara marocain et sur la base des résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007. Une position exprimée au nom de l'Union par la représentante de la Slovénie devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. L'UE s'est dit impatient de s'engager avec le nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, Stéphane Di Mistura, dans les efforts visant la relance des négociations. Comme dans la résolution 2602, l'Union a également mis l'accent sur le processus de table ronde avec la participation du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie et du Polisario. Soulignons que toutes les résolutions onusiennes ont consacré la prééminence, le sérieux et la crédibilité de l'initiative marocaine d'autonomie comme seule solution pour mettre définitivement fin à ce différend artificiel dans le cadre de la souveraineté et l'intégrité territoriale du royaume.